Je me demande si c'est grand. Ça va être tendu, hein. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Je me demande si les sorts pourraient m'aider à passer. Ce serait cool. Par contre, s'il faut que j'aille de ce côté-là, je suis d'accord les parents. Pas question de toucher à ça. Ça m'inspire tellement pas la confiance, au clair. Le lieu ne m'inspire absolument pas la confiance. J'aurais cru ici voir plutôt voir une big araignée. Réveillon. J'aurais pas cru avoir que des petites. Mm-hmm.
coup, on va par là. Cette plateforme devrait pouvoir flotter jusqu'à moi. Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Tu casses pas ? Ah si ! Ah oui, on casse tout ! C'est étrange. J'aurais cru que Richard Chouka se serait intéressé à ce butin. Un nouveau capio. Oui, alors par contre, je veux rien sur ma dette. Voilà, merci. Je veux pas qu'on le voie plus. Trace de lui. Encore une énigme. Si Richard Chouka l'a résolu, j'en suis capable aussi. Le symbole suivant est sûrement caché dans les parages. Rébellion. Voilà le symbole, derrière le rocher. Nickel. Remarquable. J'ai envie de me dire, c'est pour ce truc. Rébellion. J'aime pas les araignées. Un coffre intact ? Richard Chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ouh. Heureusement que Richard Chouka n'est pas tombé là-dedans. Hmm.
Revelio. Le coffre. Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais où est-il? Action. C'est vrai qu'à la base, c'est son corps que je cherche. Incendio. Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais je ne vois aucune trace de lui. Tu te répètes, cocotte. Tu radotes. Incendio. Bon, après, tu me diras. On sera à quoi comme ça, que je radote aussi, mais quand même. Exploit de duel, vaincre l'ennemi avec la magie ancienne. Loupé. Loupé. Un coffre intact? Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Pas de squelette sans tête en vue. M'empêche de me servir ici. Thank you.
Ok, ça me fait faire le tour ici. Donc là, je vais monter. Action. Je me réjouis que Richard Chouka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais où est-il? Oh, Debbie. Potion, je crois. Je dis oui. Je dirais même plus. J'ai compris la chose. Action. Bingo. Un coffre intact. Richard Chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Je voudrais avoir des choses avant de prendre. Voilà le pont. Il est presque terminé. Encore des araignées? Elles ne peuvent pourtant pas avoir déporté les Chouka. C'est quoi tes idées volaires, quoi? J'imagine que ces araignées se sont multipliées depuis le passage de Richard Chouka. Réveillon. Merci.
Là, je peux pas aller. Je vais devoir trouver le symbole. Je ne dois plus être très loin du corps de Richard Shuka et de ses pages. On se retrouve, Richard Shuka. Merci d'avoir protégé ses pages durant toutes ces années. Ouais, bah tu permets avant de prendre les pages. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. La voilà, la carte qui a mené Shuka à sa perte. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce ?
Réveillon. Oh. C'est très bizarre. Que se passe-t-il? J'ai déjà vu ça. À Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque. Est en train d'être inondée. Qu'est-ce qui me protège? Quelle sorte de magie est-ce donc? Espérons que cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. Quel est cet endroit? Réveillon. Serait-ce possible? Réveillon. L'ancien directeur qui percevait aussi la magie ancienne. Oui, hein, c'est l'ancien directeur. Hein. C'est vous? La salle de la carte a enfin été découverte? Je vous ai déjà vu dans une pancine. Vous êtes le professeur Rackham. Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge qu'Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entrée à Poudlard. Vous avez bien suivi. Et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant... Vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte ? Tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal. Les statues et les sculptures dans la maison sur la falaise, elles sont à votre effigie. Vous êtes voyant ? Tout à fait. Comment saviez-vous que je serais là ? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mis à part que votre présence ne me surprend pas. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Votre lien avec la magie ancienne vous a permis de débloquer des talents. Vous recevez un point de talent chaque fois que votre niveau de sorcellerie augmentera. Vous avez des nouveaux points de talent à dépenser dans le menu talent de votre guide de sorcier. Vous avez gagné des points de talent dès le niveau 5. Vous pouvez dépenser ces points de talent comme vous le souhaitez pour améliorer vos sortilèges et augmenter votre puissance de combat.
votre furtivité et bien plus. Choisissez judicieusement, les points de talent ne peuvent être dépensés qu'une seule fois. Le nombre de talents acquis est donc limité. Je perds pas midi à 14h, hein. Ouais, c'est ça dont tu me parlais, Tim. Ça par contre c'est cool. Ok, pour l'instant, je vais garder mes points de talent. Et on va voir le reste. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre ? C'est juste certainement la clé en fait. Attends. Merde. Je comprends pas le... Réveillon. Je comprends pas le truc de la roulette là.
D'accord. Aïe, j'ai compris. Bon, j'ai eu l'éclair de génie que je suis revenu à Poudlard. Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre. Action. C'est bien, je suis revenu à Poudlard, mais je suis où dans Poudlard? Vous devez apprendre Repulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma salle de classe. J'en ai 3 ou 4 là de jetons à mettre dans le coffre de ma maison. Magnifique. Réveillon. Le mini-jeu des bras. Réveillon. Là, ça sert, hein. Je peux pas ouvrir. Action. Réveillon.
bonjour toi. Lumos. Lumos. Ce serait pas par là. Revelio. Bon. Ok, tu t'étales là. Ok. Salle commune de Serpentard et je vais m'arrêter là. Là pour un quart d'heure, je vais pas aller faire la quête principale. Le défi des clés du dédale se déroule bien. Ah, faut toutes les mettre. Un nouveau jeton pour le coffre de ma maison. Ok. Équipement. J'ai pas plus, hein. Les talents sont nouveaux, donc. Non mais, je suis con, je retourne dedans en plus. Les défis. Je crois que c'est ça où j'ai une apparence. Va te battre avec ça. En vrai, sans manteau, c'est cool, hein. Je suis laissé, mais j'emporte.
C'est raccord. Et par contre, les gants. J'ai mieux avec les gants. Hop là. Allez, paramètres, sauvegarder la partie. Allez, on est à 7 heures de jeu. Sur ce, du coup, les loulous, moi je vous quitte là. Du coup, je vais cuter la rediff. Vous connaissez la chanson pour la rediff, le j'aime, le commentaire, le like, le follow et tout. Tic-winti, ça fait toujours zizi. Espérons que ça ait plu.